fait un petit point real life. Soft, hein, parce que pour l'instant ça va, c'est juste le début des vacances. Et j'ai rangé en plus déjà un petit peu. Hop, je me mets dans mon coin. Alors, c'est des vacances scolaires qui ont démarré. On est le 25 octobre. J'ai toujours pas parlé pour l'instant dans le vlog. Je vous ai envoyé tout de suite sur mon petit train-train avec les ateliers de Paris et puis d'autres petites choses. C'est la première semaine des vacances scolaires, donc perso, je prends une journée par-ci par-là avec les filles aujourd'hui parce que là, c'est au tour de monsieur d'être en déplacement à Paris. Donc là, je profite un petit peu pour faire des petites grasses mats pour me reposer. On va faire des petites activités d'Halloween avec les filles cet après-midi parce que le temps est moyen, comme on dit ici. Très moyen. Et on va faire des petites araignées. J'ai été acheter des. Je cède complètement à tout ce que me demandent les filles, enfin pas à tout, mais là elles m'ont demandé, elles voulaient à tout prix faire une petite déco d'Halloween, donc j'ai acheté des fausses toiles d'araignée. Moi j'aime bien faire un petit peu de déco, tout ça, j'aime bien faire des jolis bouquets de toiles. Là on va faire une petite parenthèse Halloween et leur laisser de la place à elles pour leur déco d'enfants, d'amusement, parce que c'est important aussi. J'ai acheté 2-3 petites bricoles, on va installer tout ça cet après-midi. Et ça va être sympa. Donc là, elles sont là-haut, elles sont en train de jouer, elles sont en train de se préparer pour savoir qu'est-ce qu'elles vont mettre pour Halloween. Elles sont à fond, à fond, à fond, à fond. On a la playlist d'Halloween, on a les déguisements, enfin c'est... Yeah, on va s'amuser. Moi, sinon, dans le travail, donc je suis en train de terminer mes petites fenêtres et mes portes pour le calendrier. J'arrive au bout. Je me suis fixé la fin de la semaine là, pour l'envoyer chez l'imprimeur. Comme ça, je vais passer à autre chose tout de suite. Et j'aimerais bien, voilà, fin du mois d'octobre, avoir quasiment tout envoyé chez l'imprimeur. J'ai encore tous mes petits décors de Noël à faire pour les cartes de vœux. Et ça, j'ai hâte de m'y mettre. Il ne faut pas que je traîne parce que le temps file et j'aimerais bien lancer mon nouveau site aussi rapidement parce qu'il est prêt là. Il y a juste 2-3 petites choses à changer et il y a juste 2-3 petites bricoles à peaufiner, mais sinon il est prêt. Et puis comme ça, il sera tout prêt pour accueillir la collection de Noël qui arrivera, je pense, fin novembre. Fin novembre. J'ai pas encore de date à vous donner, mais je me suis fixé ça. C'était ça aussi. C'est à peu près là où ça tombe tous les ans, en tout cas chez moi, fin novembre. Il y aura le calendrier 2023. Les cartes de Noël, il m'en reste aussi un petit peu de l'année dernière, donc je les remettrai dans la boutique en ligne. Il me reste des petites casse-noisettes, des choses comme ça. Il me reste, enfin non, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'herbier d'automne, l'herbier d'hiver, la suite de la collection. J'aimerais bien des petits stickers, des nouveautés stickers, voilà, des lots de cartes aussi, des choses comme ça. Puis je vais voir si j'ai le temps de développer autre chose, je rajouterai autre chose, mais ça va dépendre de mon timing qui est super, super serré, le temps passe trop, trop vite. Donc voilà, là je vais monter dans mon bureau, je vais checker un petit peu ce que font les filles là, parce que quand j'entends pas de bruit, je suis pas trop fan. J'aime pas trop être en bas et elles en haut. On parie sur quoi? On va voir, il y a 3 options. Soit elles sont mignonnes, elles jouent sagement. Ce qui est... Oui, de temps en temps, ça arrive. Soit elles font une bêtise, soit c'est la guerre. Mais là, vu qu'il n'y a pas de bruit, c'est que ça, c'est déjà la dernière option, on peut la supprimer. Donc voilà, on va voir ça.
Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça y est, c'est enfin aujourd'hui le 31 octobre, les filles sont remontées comme des pendules, prêtes à fêter Halloween, à aller voir tous les petites maisons du quartier, les petits anciens, pour aller leur shipper des bonbons. Donc je vais aller faire ça avec elles tout à l'heure, avec leur papa, ça va être amusant, voilà, ça va finir un petit peu plus tôt la journée. Donc on est lundi. Comme hier, c'était. Ben non, c'était pas un long week-end. Pas du tout, même. Bon, on avait des copains hier. Et on s'est couché tard. Et donc, c'est un peu dur ce matin. Donc, j'en suis à mon deuxième café. Avec ma tasse petit chat. Voilà, pour mettre un petit peu de gaieté dans ma journée. Donc, mon mari est parti faire des courses avec elle. Et moi, je me retrouve un petit peu au calme là pour vous faire une petite vidéo. Oui, c'est dur de vous faire des face cam. Dans une ambiance de vacances parce qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de bruit comme on est tous à la maison en ce moment, mais voilà, là j'en profite un petit peu pour vous montrer un peu l'avancement des produits de fin d'année et je vais vous montrer toutes les portes que j'ai peintes. Si vous regardez ce vlog comme ça, vous allez les voir en avance avant tout le monde, avant les voir, de les voir sur le calendrier. Donc il y en a certaines que j'ai à peine remaniées sur Photoshop parce que l'avantage de les scanner et de les passer après sur Photoshop pour les préparer à l'impression, c'est qu'on peut effacer des petites taches ou des choses comme ça sur, qui se sont éclaboussées sur l'aquarelle, ou alors on peut retravailler un petit peu les couleurs quand on passe en mode après impression. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai digitalisé toutes les aquarelles que j'ai faites. Elles sont là, je vous ai montré là le résultat final, l'ébauche finale de toutes les petites portes qui figurent à l'arrière du calendrier. Et donc voilà toutes les aquarelles que j'ai faites, il y en a 12 hein, forcément, 12 mois. Et ce qui est possible de faire dans ces cas-là, c'est, enfin ce qui est important surtout de faire avant d'envoyer les fichiers à l'impression, à l'imprimeur, c'est de bien passer son fichier en CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Parce que souvent quand on scanne, on se retrouve avec des couleurs d'écran et il faut faire attention à ça parce que sinon ça flingue toutes les couleurs. Donc malheureusement quand on passe en CMJN, bon c'est un peu plus technique mais il y en a certaines qui certainement connaissent ça, certains ou certaines qui peut-être déjà connaissent ça, en fait on perd de l'intensité des couleurs sur certains endroits, par exemple les rouges souvent ils sont un peu plus éteints, les bleus aussi, et c'est pour ça que j'ai besoin de retravailler aussi un petit peu la saturation des couleurs. Là par exemple sur celle-ci, qui est la porte de la cave de ma grand-mère en terre battue à l'intérieur avec tout plein de choses. C'est un grand bazar. Et puis mon grand-père il stockait le bois quand j'étais petite. Bref, voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup et il y a toute une jolie. Oh, je suis fatiguée. C'est quoi déjà cette fleur? Une clématite. Voilà, autour. Donc ça c'est le mois d'août. C'est peut-être transformé. Si si, ça restait le mois d'août celui-là. Donc ça c'est pareil, c'était très foncé, donc j'ai caché un petit peu ici, j'ai descendu un peu l'intensité des couleurs pour que ça soit un peu plus agréable à regarder, que ça respire un peu. Je monte tout dans le désordre, voilà, comme ça vient. Ça c'est notre porte de Noël, celle-ci je l'ai quasiment pas touchée parce qu'il y en a aucune d'ailleurs que j'ai réellement retouchée. Je vous explique juste comme ça, voilà comment j'ai procédé, surtout pour les couleurs, pour la préparation à l'impression, mais sinon celle-là elle est telle, enfin toutes les portes sont telles que. Celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de laisser la plaque là en bleu et j'ai rajouté le numéro ici sur la porte. Et là, j'ai écrit rue du port parce que c'est une petite porte. Alors, l'encadrement surtout et le mur, je me suis inspirée d'une photo que j'ai prise à Groix, d'une porte d'une maison à Groix qui était dans le port de Locmaria et qui était donc bien rue du port. Mais sinon, le vitrail, tout ça, la couleur de la porte, tout ça, c'est purement inventé. Donc la fenêtre fleurie que vous avez vue il y a quelques... La fenêtre fleurie que vous avez vue, vous avez vu que j'ai commencé à la peindre un petit peu plus tôt dans ce vlog, c'est une de mes préférées. Je suis très contente, donc ce n'est plus le mois de novembre, celle-là c'est le mois d'octobre. Ça a changé parce que je trouvais qu'elle était encore un tout petit peu trop estivale pour le mois d'octobre. Ça c'est le mois d'août, de septembre, non, je crois que maintenant c'est le mois d'août. J'ai changé en fait, j'ai vraiment changé. Donc là, il y a un petit glacis avec notre couleur lac écarlate que j'aime beaucoup. Ça, c'est le bleu outre-mer. Et en vrai, c'est très lumineux. Là, tel que sur l'aquarelle, elle est très lumineuse. Mais quand je l'ai scanné, j'ai beaucoup perdu en intensité de couleur. Donc j'ai dû retoucher un petit peu pour essayer de retrouver un petit peu l'intensité du bleu outre-mer. Malheureusement, j'arrive jamais à le retrouver tel que pour l'impression. Donc une petite fenêtre inspirée de mon petit week-end à Groix aussi.
Bon, ça se voit pas beaucoup, c'était dur à refaire, hein. Mais il y avait des petits rideaux en dentelle en crochet avec un bateau. Ici, nous avons le mois de mai, donc ça c'est un petit peu moins inspiration bretonne, c'est un petit peu plus anglais dans le style. Et ça donc c'est les glycines. Et là c'est pareil, j'ai dû repousser un petit peu les couleurs sur Photoshop parce que c'était un petit peu tristouille à l'impression. Ça c'est une de mes préférées, c'est le mois de mai, très gai. Non, avril. C'est le mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai essayé de faire en sorte qu'on retrouve des fleurs qui sont un petit peu de saison aussi à chaque fois. Donc là on a des muscaries, on a des pensées, des roses. Voilà, et puis une porte rose. Je ne sais pas si elle existe en vrai. Je pense qu'elle sort toute un petit peu de mon imagination. Ici, on a une jolie fenêtre, un petit peu style néo-breton, toujours. Avec de belles jardinières avec des tulipes. Parce que c'est le mois de mars. Voilà, mois de mars, on a encore quelques tulipes. Ici, on a le mois de février. Donc là, j'ai mis à l'honneur les... C'est une de mes préférées, celle-là. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi très bientôt. Donc, les camélias. Les camélias qui sont en fleurs à cette période-là. Voilà pour le mois de février, quelques jonquilles aussi. Bah, on fait tout à l'envers. Hein. Et donc le mois de janvier, un petit peu plus triste au début, mais avec quelques petites fougères, voilà, du lierre. J'ai quand même réussi à faire quelques gris colorés un petit peu. Voilà, je me suis amusée. Et donc celle-là, je vous le montre vite fait, c'est le mois de juin. Voilà, on ouvre sa fenêtre, des petits géraniums, on prend l'air, j'ai tout. 1, 2, 3, 11. Il en manque une. Ça. Je ne sais juste pas compter en fait. Ah mais oui, ça y est, je sais, elle est dans mon carnet, c'est normal. C'est la petite porte d'automne. Le mois d'octobre. Que j'avais fait dans mon carnet, que je trouvais très bien. J'avais déjà l'idée de faire ça. Donc j'avais pas envie de la refaire, je la trouvais jolie comme ça. Donc, hop, elle sera aussi dans le canapé. Bon voilà, allez, j'arrête de blablater, ça fait déjà un petit moment que je parle. Et je vais reprendre mes visuels de Noël. J'ai mon idée, ça avance bien et j'espère que ça fera assez Noël en fait, parce que je me suis un peu lâchée sur la thématique. Bon, voilà, on est donc... sur une petite ambiance fruits exotiques. Voilà, j'en ai pas un peu partout. Là, j'ai caché et je vais vous montrer. Bon, moi, j'ai fait quelques fougères aussi parce que j'en aurais besoin pour un peu plus tard. J'ai tenté de faire la fleur de fruits de, la fleur de passion et j'ai passé une heure. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Hein. La goyave, pas de souci. Mais alors, la fleur de passion, c'est vraiment... trop compliqué, je trouve. Voilà, les premières c'est un peu la cata. Les feuilles, pas de soucis. Celle-là éventuellement, mais là il y a un gros caca au milieu. Celle-là éventuellement, pareil, c'est dur de retrouver du blanc après au centre. Je suis pas encore satisfaite. Celle-là, j'ai d'abord fait le bleu et après j'ai mis un fond. Là, j'avais déjà mis le fond vert et après j'ai passé par-dessus. Pas simple. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que si j'en prends une, ce sera peut-être celle-là ou celle-là qui est un peu plus épurée. Parce que les autres, elles sont très compliquées, je trouve. Elles sont trop compliquées. Bon, on va voir si je m'en sers ou pas. Mais j'avais envie de tester, en tout cas, cette fleur. Là, on est sur la petite gamme couleur de ma thématique de Noël. Parce que je vais vraiment travailler sur... j'ai envie de faire quelques cartes avec des petites choses comme ça. Fruits et fleurs. Fruits et fleurs. J'avais envie de faire ça. Bon. Ça fait un petit moment que j'ai cette idée et là je me suis dit allez pour Noël, on va essayer de retrouver des étoiles, voilà, avec ce fruit là, j'ai oublié le nom. Et ça aussi, ça fait un petit côté étoile, je me disais ben, ça pourra le faire. Et on a des fougères, bon je vous montre pas tout parce que c'est encore en phase de recherche, mais ça c'est le Artprint fougère qui avance bien. Thank you.
J'espère que ça va bien. Je profite de prendre un peu le soleil, là, une petite accalmie. Il fait beau aujourd'hui. On est le vendredi 4-4-4. Donc là, j'ai terminé une aquarelle. Je vous montre ça juste avant de partir en week-end parce que je pars en week-end. Là, on est vendredi 4. On part en long week-end avec ma belle famille. On ne sait pas où. Week-end surprise. Et on sait juste que c'est une demi-heure de Lorient. Voilà, on doit prendre des affaires de pluie. J'espère que c'est à Groix. J'aimerais bien y retourner. Je sais pas, on verra. Je vous dirai ça dans le prochain vlog où est-ce qu'ils nous ont amenés. Je voulais juste vous montrer mes explorations des cartes de vœux. Cette année, je vais faire que 4 nouveaux visuels puisque, avec ma thématique, là, vous avez vu sur un thème un petit peu fruit exotique. Exotique, enfin, je sais pas, je pars un petit peu sur ce délire-là. Et je vais aussi ressortir des modèles qui sont des best-sellers de l'année dernière, qui vous ont bien plu, parce que chaque année, vous me demandez de rééditer des modèles qui vous ont plu. Donc là, cette année, je vais faire ça aussi. Donc il y aura juste 4 nouveaux visuels. Allez, 5 grands max, mais je pense que je vais m'arrêter à 4. Donc j'ai déjà fait des premières sorties de mes explorations. Donc il y a 7 cartes-là, avec tous les fruits que je vous avais montrés, là, déjà peints sur des planches individuellement. Donc là, j'en ai fait juste une petite carte... toute simple avec juste des petites branches de sapin pour rappeler un petit peu Noël. Et puis je trouve que les petites étoiles, alors j'ai encore oublié leur nom de ces fruits là, ça fait un petit côté Noël aussi, pourquoi pas. Donc à côté j'ai fait une petite carte bonnet, voilà, un petit bonnet de Noël qui reprennent un peu les couleurs de la thématique. Voilà, ça m'a bien amusé de faire ça pour faire un petit rappel de la première. Ensuite, je suis partie, donc là, elle n'est pas encore éditée en carte, mais je viens de la terminer, cette aquarelle, avec tout plein de petites baies. Je me suis inspirée d'un modèle que j'avais déjà fait il y a 2 ans, voilà, de cette couronne un petit peu minimaliste, avec juste des branches, avec des petites baies rouges. Sauf que là, je l'ai complétée un petit peu plus. Voilà, j'ai pris l'inspiration d'un bouquet avec beaucoup de rouge à l'intérieur, voilà, pour que ça fasse un petit peu... côté Noël un petit peu végétal aussi qu'on aime bien. Donc pour l'instant voilà, on a ces 3 visuels là et il y en aura un quatrième où je me suis un petit peu inspirée de ça. Voilà, un petit peu, un petit côté un petit peu plus chargé, un petit peu plus kitsch, comme je vous ai montré, je sais plus si je vous les ai montré, mes petites mignonnettes là, mes petites cartes mignonnettes un petit peu vintage que je vais retrouver dans mes affaires. Voilà, il y en a plein. Jolie celle-ci, donc je m'en suis inspirée un petit peu pour la dernière carte, donc je vais peut-être pas vous la montrer, peut-être que je vous la garde en suspense. Donc voilà, je clôture le vlog là-dessus, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, une fois de plus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me laisser vos petits commentaires, je réponds pas toujours du tac au tac, mais je prends toujours le temps de les lire et d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mon petit train-train d'aquarelliste vous plaît, et puis voilà, comme d'habitude... Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.